Bonjour à toutes et à tous, c'est Humility, j'espère que vous vous portez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, le dernier match du tournoi des 10 ans. Alors pourquoi le dernier? C'est très simple, parce que pour nous l'aventure s'arrête ici. Donc on va dire sans gros regrets, on a perdu un match sur 6 points de vie. Et c'est vrai que c'est ça qui nous a un petit peu plombé. Mais globalement on est content de notre tournoi, ça s'est très bien passé. On a 21 points, il fallait 24 points pour se qualifier pour le troisième week-end. Donc c'est dommage, à un match, une victoire près, on aurait pu participer, mais bon, c'est comme ça, c'est un petit peu enfin, le but du tournoi, quoi, qu'il y ait des équipes qui continuent et d'autres qui s'arrêtent. Bon, c'est une très très bonne expérience, et j'espère que Ankama refera un événement, ou d'autres événements de ce style. Ce que j'en ai tiré, parce que vous êtes beaucoup à m'avoir demandé quelle était mon impression par rapport à ce tournoi vis-à-vis des autres Ghoul Terminator que j'avais fait. Bah écoutez, c'est vrai que c'est pas la même ambiance, mais que c'est quand même très sympa. Pas la même ambiance parce que il y a beaucoup plus de matchs, parce que vous connaissez les équipes enfin, très rapidement en avance, enfin très peu de temps en avance. Donc ça c'est. Vous devez vous préparer très très peu de temps en avance. Ça c'est cool. Je trouve que c'est un bon aspect du jeu au lieu de plutôt aller les espionner et les stalker sur toutes leurs vidéos, sur toutes leurs pages, tous leurs dos Facebook et tout ça. C'est pas forcément très intéressant. Je trouve ça plus cool de jouer enfin, stratégique pendant le combat et d'organiser ça une demi-heure à l'avance. Non, j'aime bien cette idée-là de faire une mêlée générale, genre au niveau de la rapidité des combats. Sinon, globalement, il y a eu quelques problèmes d'organisation au début. Les rondes se faisaient pas assez vite, il y a eu énormément de forfaits et. Bon, ça allait. Enfin, je veux dire, même pour le deuxième week-end, il y a quand même une cinquantaine de forfaits. C'est plutôt énorme pour un deuxième week-end. Mais bon, d'un autre côté, ça peut s'expliquer. Parce que les gens ne sont pas là aussi. Ils étaient là le premier week-end, mais ils peuvent pas être là le deuxième. Ou alors, ils n'ont tout simplement plus envie de continuer le tournoi, et ainsi de suite. Donc, je voudrais vraiment remercier Krala et Ele. Donc, Jérém et Louis, vous avez été super pendant ce tournoi. Donc, ça m'a fait vraiment plaisir. On s'est très bien entendu et je sais que je suis pas le meilleur roublard de la terre, mais j'espère quand même avoir fait mon boulot. Et c'est vrai que c'était assez drôle, notamment le dernier match que vous allez voir, ce qui est de loin mon préféré, parce qu'il y avait une très bonne ambiance. Et on a joué pour le plaisir en mode full rocks, sauf moi en feu. Mais en tout cas, ouais, c'était vraiment quelque chose de super agréable. C'est ce genre de match qui sont à refaire. Et pas les matchs où en face vous avez doublé type Xelor Sadie. Non, Xelor Sadie est nu. Avec un doublé type et les mecs jouent en retrait. Ou alors Sadie Feka full retrait, full invoke. On spamme le jeu pour qu'il y ait nul dès le début. Voilà, ça, c'est le genre de combat qui sont vraiment pas appréciables. Tout simplement parce que c'est inutile et que c'est vraiment de l'anti-jeu. Ces teams-là n'ont pas pour moi leur place dans un tournoi de ce type. D'ailleurs, vont se faire éliminer, hein, clairement. Mais n'ont pas leur place. Et dans ce genre de tournoi, je veux dire, quand on inscrit Sadik Zel et Nu pour une composition pour un tournoi comme ça, je sais pas quoi dire, honnêtement. La synergie est nulle. Et je vois pas l'intérêt, quoi, de faire une team comme ça. Après, bien sûr, si vous êtes potes et que vous avez que ces classes-là, pourquoi pas, c'est super, mais si vous avez accès à d'autres classes, je trouve ça vraiment triste quand même. Enfin, c'est comme ça, c'est des compos qui n'ont pas été interdites et donc qui seront pas non plus interdites au Goultar, mais en général qui durent pas forcément très longtemps. Justement, par rapport au Ghoul Terminator, voilà, ce que je disais, c'est l'ambiance du Ghoul Terminator, c'est plus serveur-serveur. Là, il n'y a pas vraiment de serveur vu que tout le monde peut jouer avec tout le monde. Et ça, c'est vraiment cool. C'est plutôt des équipes qu'on regarde, pas des serveurs. On regarde vraiment des équipes spéciales, qui est celle qu'on aime bien, ou avec des joueurs qu'on aime bien, ou des compositions qu'on aime bien. C'est vraiment plus intéressant que le Goultar par rapport à ça. On suit pas un serveur, on regarde pas les serveurs, hein. Personnellement, moi, je m'amusais pas à regarder les serveurs. Je regardais les classes et c'est tout. Et on se dit pas, bon, bah, ce mec, il est de ce serveur ou de ce serveur. Non, c'est un joueur lambda et il fait le tournoi avec ses potes, quoi. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Après, niveau équilibrage, c'est vrai que on peut parler de la composition, je parle classe là, hein, équilibrage des classes. On peut parler de la composition Ossa et Kayop, qui est quand même bien au-dessus de tout. L'Eka est quand même une classe très 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 supérieure, même si
C'est facile de dire ça et j'aurais dû en prendre un. Enfin non, moi c'est pas comme ça que je réfléchis. La composition FKNU Roublard est beaucoup plus intéressante au niveau du jeu, mais je trouve que c'était bien plus intéressant pour nous de jouer comme ça. Surtout que c'est des classes qu'on connaît. Bon, moi je maîtrise pas à 100% le Roublard, c'est sûr, mais Krala maîtrise extrêmement bien son FK et elle est son Enu. Après, oui, au niveau de l'équilibrage, c'est un avantage par rapport au stuff. Donc l'équilibrage des classes, bah, bien sûr qu'il y a des différences, mais après l'équilibrage des stuff, c'est vrai que bon, on a tous accès à tous les stuff. Donc là, on est clairement dans un équilibrage de stuff égal. Et ça, c'est super. Ça, c'est hyper intéressant. En plus, il n'y a pas de mimibiote, pas de coiffe-objet, etc. Vie, pardon. Il n'y a pas de coiffe-objet, il n'y a pas de parabiote, etc. On voit votre stuff, donc directement, vous savez au niveau du stuff, quoi. Donc c'est ça, c'est cool. C'est intéressant. Bon, après, c'est vrai que pour les plus pointilleux, il n'y a pas de problème. Un stuff avec des mimibiotes ou... Tout simplement des coiffes vie et cap, etc. En regardant les résistances, on trouve facilement si on est un connaisseur. Sinon, à part ça, non, non, très bonne ambiance. C'était très bien. Franchement, c'était cool. J'ai bien aimé. Même si c'est vrai que j'aurais aimé continuer, mais enfin aller plus loin, disons. Mais on a fait notre maximum et puis on va continuer. Pour le Ghoul Terminator 6, enfin moi je vais continuer, je suppose que Ellie et Krala aussi. Et donc voilà, donc on se retrouvera pour le Ghoul Terminator 6. Enfin, en tout cas pour le tournoi des 10 ans, c'est pas fini, vous inquiétez pas. Je vais streamer des matchs et puis je vous expliquerai un peu les stuffs que j'ai utilisés et tout, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui étaient intéressés. Donc je vous montrerai ça. Et en tout cas, ben, je vous souhaite enfin, un excellent visionnage. Et puis une excellente journée ou une excellente soirée. Pour tout le monde, parce que je le dirai pas à la fin du combat, étant donné qu'on est dans le match. Voilà. Enjoy, les amis. Go! On va être. Petit costaud! Ouh! Ouh, le petit. Le petit sacri. Elle est nue quand même, elle est type. Le steamer en strigide. Et le sacri. Je sais pas trop. Feu peut-être? C'est quoi ça? Ça c'est au feu, le chrono. Je sais pas si c'est feu ou... J'espère qu'il est pas les types aussi pas. Si... Non, non, non. Ouais, quoique, il a 10. C'est pas doublé type là. Hein. Ah, ils ont mis beaucoup d'esquive PA alors que... Nous on a mis que dalle quand on s'en carre. Ouais, je reste là, hein, j'ai rien à faire. Ouais. Bon, je suis pas direct, hein. Joue, hein. Joue, pose des infos, rien. Non, 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 t'inquiète. Je rush pas, hein. Non, non, passe ton tour. Non, non. Ah, mais t'as pris les nids, du coup. Attention à ce qu'il retraite. Viens. Ouais. J'ai peur qu'il retraite. Quand il va te taper, tu vas voir. Donc il n'y a pas de résistance haut là. Oh le sacré. Je me le fais moi. Un papy qui lui ressemble à Yop. No protection ma gueule. Le merde. Quoi? La rémission pas? Si 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 t'inquiète, c'était prévu. Mais il fallait que je pète au moins pour gagner un PA. Je me mets là? Ouais. Je suis curieux de voir comment je vais taper moi. Putain. T'as combien de force? 1209. Oh là là, putain. C'est avec les 130 que je vais gagner x2, ça fait mal.
Tu fractions pas? Ah. Bon, on va avancer, hein. Bah ouais, hein, à partir de là, tu fais des désavos à 100. Même pas. Lancer de pelle, ça le fait, hein. Ouais, bah ouais, lancer de pelle, franchement, c'est énorme, tu vas voir. Lancer de pelle? Lancer de pièce. Tu vas voir. Je vais voir ça, ouais, j'ai hâte. Tu t'accèles ou pas? Ouais, je crois, ouais. Regarde l'accel peut-être, non? Bah, je sais pas. Enfin... ma vie, ça va te cop, je pense. Bah, on s'en fout, hein. On avance de toute façon. Et y'a que moi qui a les types, hein, donc. Ok. Allez, go! Moi, je dis. Mais décale-toi quand même un. Je peux pas, mais tu vas voir, mon gars. Là? Normalement. Bien joué. Il va le désinvo, il joue feu. Tu peux respecter ce petit move. Je peux le respecter, ouais, ce petit move. Je peux respecter. Si t'avais joué comme ça pendant tout le tournoi, c'est le mec. Chillé. T'es un bouffe. Si t'avais moi. Ouais, tu bouffes autant que moi, je t'en assure. Ouais, mais c'est toi qui reçois les pelles. Oh mon dieu. Ah le bat. Allez, ça tape moins fort sur lui, hein. Et ouais, t'as 8%, j'ai 18, forcément. Non, mais c'est grave, allez, ça crie bien là. Vas-y, Sacri, viens là, je te hausse, mon. Rien à foutre. Ah, qualité. Ah. Le Sacri va t'attirer, Bah tant mieux, j'ai envie d'avancer. Mais t'inquiète, mon gars, personne t'attire, moi je te le dis. Pierre, wesh, vas-y, file-moi un PM. Si t'as rien à faire. Ah, t'es un peu trop loin. Je te file un PA. Ouais, un PA, c'est nickel. Merde, je suis con. Merci. Vas-y, va faire tes lancers de pièces, mon gars. Ah, tu vois. Attends, en plus là, j'ai chance et tout là. Est-ce qu'il va oser, coop? Il va oser. Tu TP, mon gars. Vas-y, coop, t'es mort, mon gars. Mais il va coop humi, non? Si coop humi, il est mort. Ah voilà, ouais, il me semblait bien. Ah ouais, mais faut. Je vais survive, t'inquiète. 7%, mon gars. Mec, il va se barrer. Fais ta prière. Vas-y, TP, cac, rien à foutre. Oh, je vais... Les mecs qui ont no brain. Ce combat est magnifique. Je sens qu'il va être magnifique. Ah, mais c'est ça qui est bon. Ah, il va taper là-bas. Fuis. Il court vers moi. Je t'ai pêché, nique, hein. Ah, clairement, mon gars. Clairement. Ouh, 185. Et toi, tu fais comment pour oxer? Moi? Tu t'accèles? Ah, le bâtard. Vas-y, c'est pas grave, comme ça, je t'appelle, moi. Ouh, c'est joli. C'est joli, c'est plus joli déjà. Faut pas que le Sacri fasse des trucs de bâtard. Bah t'inquiète, tu vas lui coller une petite massa. Ça va être de manière violente. Ah, violenticide. Ouais, mais il peut pas m'avoir souci, il va me marrer ce salaud. T'es prêt à avoir une pelle massa à 1000 là? Ouais, tu vois, il va me marrer, il va sur le Sacri. Je m'en fous. Je m'en fous. Clairement. Ouais, voilà, c'est nul. Vas-y, ouais. Voilà, c'est bon. C'est pas de soucis, mec. Mais j'ai 6 PO, mon gars, c'est la joie, là. T'es prêt à voir le Sacri à la moitié de ta vie? J'ai 6 PO, c'est la joie. Ouh, oui. Chiche, chiche. Tu vas voir. Oh! Pardon. Attends, mon gars. Allez, allez. Allez, une massa à combien? Ouh! La massa à 1000! Axel! Ouais. C'est beau. C'est. On aurait dû jouer comme ça tout le temps. No respect. C'est qui le Yam, hey, mon gars? Il est pas la moitié de sa vie. Presque. Il va te piquer. Ah ouais, carrément. Il va me corrup. Il va me corrup, le salaud. Des meufs corrup. Ah, c'est pas grave. Perso, je m'en veux pas vraiment, quoi. Je rigole si on gagne. C'est jouable, hein, tu bagnes. Y'a pas de respect. Putain, 1006 à la massa, mon gars. 1006. C'est beau quand même, c'est très beau. Quoi. À la punie. Ah oui, c'est vrai que j'étais débuff de la fraction. On l'a doré au bat, c'est moche. Oh, c'est moche. Oh, c'est trop. Mais non, tu t'en fous. Mais tu le débuff. Je vois pas ce que tu fais, une flamiche dessus. Vas-y, libé. Non, oui, enfin, flamiche, double retour, mon gars. Y'a pas de respect dans ce genre de cas là. Hein.
flamiche, moi. Je le débuffe et je le finis, moi. Rien à foutre. Aveu. Bif. Décale-toi à gauche. Ouais, je vais décaler à gauche. Ouais, c'est bon, ça. Parce que même si à faire secourisme, je pense qu'il y a à manger. Manier rapide. Décale. Ah. Ah, le bâtard. Ah, bien joué. Yo, mec. Putain. Bah, on défonce celui qui est devant nous. Oui. Ah, bah, parfait. Ah, mais là, tu le redonnes, hein. Attends. Tu le libé, mon gars. Il va se décaler, tu le libé. Mais il est con. Clairement. Sauf si scale derrière toi. Je passe pas, moi. Tu passes pas? Oh. Mais tu libé. Oh, tu l'as, non? Là. Là-bas? Non. J'ai pas de PO. Ah, putain. Ah. Vas-y, je tape le... Le oh là, steamer. Oh là 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 là. Allez, un petit CC. C'est tellement beau. C'est fun, non? Ouais, c'est carrément ouais, fun. Là, tu claques un promo de bombe, hein, rien à foutre, tu l'as fait péter direct. Ouais. Ah, j'ai plus de PO. Ils sont pas. Si le sacré sacrifie pas, il est mort là. Là. Pourquoi? Parce que je l'ai défoncé. Pourquoi? Pourquoi t'es méchant comme ça? Oui, bien joué. Bim, mon gars, bim. Aimante, Krala. Non. Ouais. Nickel. Parfait. Sacrifice. Il est gagné. Ah. Il est... Il est qui? Non. Oui, non, oui. Oh, lui, la salope. Il est gros bâtard de chien de ta merde. Ah, c'est une team plutôt cool. Osef, frotte-le, rien à foutre. Ouais. Oh. Rien à carrer là. Y a pas de respect là. La grosse bombe là-bas, je vais aller la chercher. Ah, le double sacrieur, putain. C'est pas grave, avec Gen. Ouais. Bon, c'est pas grave. Hein. Double retour, cac. C'est. Oui. Putain, dommage que je l'ai pas. CC là, enfin. Ah. Allez. Dommage, pas de CC. Il va marrer le style. Tu peux te coller à lui? Colle-toi à lui. Non. Ouais, colle-toi à lui, comme ça il peut pas marrer. L'épée volante me casse les couilles, moi. Bah, tu l'attaques le pas? Tu l'attaques pas? Non. Sérieux? Putain, non, si tu l'attaques. Attends, si, attends. Si, tu l'attaques, c'est juste que tu t'attaques le pas. C'est le steamer. Ouais, clairement, non mais oh, tu m'as fait peur. Mais de toute façon, le steamer, on le défonce. Ok? T'as l'Axel là? T'as l'Axel? Oh le mec. Il va te bloquer. Il va te bloquer. Ah, bien joué ça. Bien joué. Tu libé. Ah, bon. Tu libé. Quoi, libé? Bah non, il est libé là. Ah, mais non, il peut pas. Non, là, il est nickel. Ah, bien joué. Bien wesh, cousin. Ah, alors. Que faire? Ishikawa. Non. Bah, qu'est-ce que tu veux faire? Ouais. Mais là, l'autre, il a la zone. Oh là 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 là. C'est tellement beau. Oui. C'est scandaleux. Honnêtement, c'est scandaleux. Moi, j'aime plutôt mon gars. Tu sais nous kaboum et foutre une monde de l'autre côté. Comment dans ça un petit libé, derrière le sacré. Ah non, non, tu seras pas. En fait, je peux pas vous placer, quoi. Ça n'a rien à faire, file-nous des PA. Hein. Si, non, mais t'aimante la cahuète. Ah non, bah non. Non. Bon, vas-y, bah ouais, file-nous un PA, j'aimerais bien. Je rox, mon gars. J'avoue, mec. J'ai une idée un PA. Je reste ici. S'il peut pas se faire, je le finis.
Ah non, il va vite, il va vite. Transpo, sacrifice, tout ce qu'il y a. Ah le bâtard. Ah le sacrifice. Il a sacrifié la Dactyrène ou pas? Non, le Doppel avec lui. C'est tout. Oh, oh le mec 1400. T'as tout cramé ou quoi? Change, change. Rox mon gars. Oh. Comme ça. En attendant, il nous tape pas hein. Enfin. Humidité fait mais. Ça se prend. Ils sont mal en point là. C'est cool ça. Non mais la tactique va te niquer. T'as longue vue. Mais elle est pas Evo. Je sais pas. Bah non. Tu vois. Là le sacré il est presque mort là. Non. Oui. C'est horrible. Ils prennent hein. Ils mangent hein. Ah il est presque mort. Ah bien joué, bien joué. T'es kaboum encore? Yeah. Ah bah tiens mon gars, je vais te faire plaise. Oh les lancers de pièces à 326 pour 2 PAC. T'inquiète mon gars. Moi je finis derrière vraiment. De toute façon, si tu tapes le. Si tu tapes le steamer, ça va pas sous le sac hein. Logiquement non. Non non non. Si tu tapes le steamer, ça passe pas sous le sac, donc il meurt. Ok. Oui, enfin oui, enfin ça. Ouais ça passe sous le sac quoi. Enfin. Oui voilà ce que je dis. T'inquiète bébé. Dernier souffle. Vas-y bouge pas. Ouais, vas-y. Sérieux? Oui. Ouais, ouais. Vas-y vas-y vas-y. Toi plaise mec. Putain pourquoi on a pas joué comme ça tout le temps? Énorme. Énorme. T'as vu la team chronique mon gars? Et le steamer il passe derrière hein. Oh mon dieu. Ouh. Tu l'as filmé ce combat? Oui oui. Oh mon dieu. Épique, sans déconner c'est épique. Mec j'ai même pas utilisé mon roublabot. Pelle derrière. Ah. Monte, ah. monte d'une case, monte d'une case. Genre là. Ah mais j'ai une Krala non? Non, vas-y. Non, vas-y. Krala, tu peux TP, Libé? Ouais, TP, Libé. Ah, attends, je peux pas TP. Non, c'est sûr. Ah! Je peux pas TP. Merde! C'est pas grave, on enchaîne. Énorme ce combat, mon gars. Oh la pelle me casse les couilles, je vais la tuer. Je vais le bloquer? Je sais pas si tu vas se bloquer de beaucoup. Et là tu sais c'est. Tu vois, il peut pas bouger, hein. C'est fumé les nuits comme ça, hein, sans le donner. Putain de merde. Putain, c'est pourquoi on a pas joué tous les matchs comme ça? C'est notre combat le plus rapide, mon gars. Ah. C'est cool, je vais pouvoir regarder Liverpool, merci. Putain, je suis trop dégoûté, sérieux, pourquoi on a perdu? Ce match était magnifique. Bah, franchement, c'est le plus beau. Mon gars, mais je te finis, hein. Mais non, j'ai pas de PM. 0 PM. J'ai moins 97 évidemment. Pas de soucis, je le finis mec. Je suis dégoûté.
C'était notre plus beau combat. Bah ouais. Et moi, tu voulais pas me faire une armure? Parce que je pue, moi. Ah non. Putain, j'avais 3200 PDV, quoi. Bon, allez. Ah bah non, tu finis pas. Ah si. Si. GG. 9 tours. Le combat magnifique. Avec double soin de ouf. Oh, terrible, franchement. Putain, terrible combat. Mec, on aurait dû faire ça, c'était énorme. C'était tellement drôle. Non mais franchement, on se retire bien quand même. Clairement. C'était beau.